Selon le protocole habituel, les maçons ont d'abord mis en place les étais, puis les poutres d'oka sur lesquelles ils ont cloué les planches de coffrage. Et après avoir placé le treillis servant à armer le béton, tout était prêt pour accueillir les toupies et couler la dalle. Quelques passages d'hélicoptère pour enlever les aspérités. Le lendemain, tout est bien sec et les préparatifs commencent déjà pour couler la dalle suivante.